La mention des gens de la réalité nous accorde la bénédiction divine et le regard de guidance. L'illusion est une épreuve. L'illusion est une barrière que Allah Azza wa Jal a créée pour emprisonner ceux et celles qui n'ont pas de sincérité. L'illusion est une tromperie. Et c'est pour ça que quand vient la fin, le Dajjal, Saïdou Billah, Allah nous sauve de sa malice, il viendra avec un déploiement sans précédent d'illusion. Il fait apparaître la vérité comme le mensonge, et il fait apparaître le mensonge comme vérité. Et Ibn Attar al-Iskandari a dit, l'illusion, il dit Allah, Jalla Jalaluhu, le seul, l'unique, le véritable, l'absolu, il s'est voilé de ses serviteurs par une chose qui n'a pas d'existence, l'illusion. Il a dit par l'imaginaire de l'humain, qui est une extension de son illusion, empêche l'humain d'accéder à la réalité. C'est pour ça que lorsqu'on parle de réalité, on parle de hakika. On parle d'un état à l'intérieur de l'humain qui lui donne une certification, qui lui donne le yakin et qui change sa perspective sur une perspective vraie et absolue. Et ô combien elle nous fait défaut. 8 milliards d'individus presque qui marchent sur cette terre, si vous mettez une chose
et vous demandez l'avis de tous, chacun dira, aura un avis différent. Et seuls ceux qui ont l'ouverture de cœur, qui ont la vision qui est inspirée du divin et qui ont goûté la réalité peuvent décrire les choses telles qu'elles sont. Et encore, au-dessus de chaque connaissant, il y a un autre connaissant. C'est Namousar alayhi salam avait beau être parmi les suprêmes de son temps, le prophète et le messager le plus accompli de son temps, Allah Azzawajal, pour donner une leçon d'humilité à son prophète et pour que cette leçon nous serve de leçon, lui a envoyé ses nakhedah pour lui dire, aussi loin que va le rivage de ton océan, il commence un autre rivage que Allah a choisi. Alors un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec Sahaba al-Kiram, les nobles compagnons, radiallahu anhum, et il leur a présenté ce qui avait l'apparence d'un pot de miel dans sa forme et de ce qu'il y avait dans le contenu. Et il a posé la question aux compagnons. Qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, c'est du miel. Qu'est-ce que c'est? C'est du miel, c'est du miel. Tout le monde est d'accord, c'est du miel. Quand il est arrivé au véridique, c'est Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il lui a posé la question. Qu'est-ce que c'est? What is that? Only Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, before answering this is honey, ya Rasulallah, lui seul, il a mis le doigt dedans, il a goûté, il a dit c'est du miel, ya Rasulallah. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Tu es le seul à avoir dit la vérité. Chacun, il n'a pas goûté. Il imagine que c'est du miel parce que ça a la forme, ça a la couleur, ça a l'air d'avoir la texture. C'est le pot de miel. Aujourd'hui, vous pouvez mettre de l'huile de vidange, ça passe pour du miel. Ça a la couleur, ça a la texture, ça a la... Essayez de goûter, vous allez voir. Alors, Maulana Cheikh, Maulana Cheikh Nazim Kadassala aussi, il enseignait, préparez-vous pour le temps de la grande fitna. Préparez-vous pour le temps de la tromperie. Car tous vont être soumis à la tromperie du Dajjal. Voilà la Cheikh Nazim disait, mes étudiants, quand viendra le Dajjal, hein, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit, un tiers, il va rester avec moi. Un tiers, il va partir. Un tiers, il va suivre le Dajjal. Et ça, c'est qui? C'est des gens qui sont sur le chemin d'éducation spirituelle, qui sont assis avec des gens de la réalité, qui suivent leurs enseignements et qui essayent, mais... Voilà la chair dit non. Un tiers de ceux-là vont suivre le Dajjal. Alors, Maulana Cheikh, il nous disait toujours, le serviteur, il est toujours dans un mode préparatoire. Le croyant, toute sa vie, il se prépare à quoi? Il se prépare à la mort. Si on s'est préparé à autre chose de plus important, c'est le temps de se réveiller.
كل نفس ذائقه الموت. Chaque âme, elle va goûter la mort. Il n'y a personne ici qui va passer au travers. Alors, le serviteur qui est croyant œuvre dans sa vie, sachant que toute l'œuvre de cette vie ici-bas est à propos de cette fin, de cette rencontre et de ce passage dans la akhira. Chaque chose que l'on fait, chaque chose que l'on achète, chaque chose que l'on regarde, chaque chose que l'on touche, chaque chose que l'on échange, chaque chose avec laquelle on interagit dans ce monde ici-bas, a une incidence, pas indirecte, directe, sur cette finalité. Comment nous allons finir, comment nous allons transiter et comment nous allons finaliser. Alors cette perspective chez le croyant est absolument fondamentale. Servant has to look the horizon. C'est ce qu'on appelle une question de perspective. La question de perspective, qu'est-ce qu'elle a fait parmi les compagnons? Regardez. Le sahaba, cela n'est pas qu'Allah me pardonne. Cela n'est pas une critique des compagnons. Non. C'est des faits d'événements qui sont arrivés malgré leur réalité, malgré leur stature spirituelle. Et ce sont des faits que nous utilisons pour nous donner une leçon à nous. Parce que Sahaba, de l'avis unanime des ulema, de Ahlul Sunnah wal Jama'a, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent, Allah est satisfait d'eux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a nominés à bien des égards, Ashab al-Nujum. Il les a comparés à des étoiles de guidance. Et quand il partait, il disait, je vous laisse le Coran et ma famille, je vous laisse le Coran et mes compagnons, je vous laisse le Coran et ma sunna. C'est les héritages de guidance qu'il nous a laissés. Alors les compagnons ont commencé à croiser le fer. Pourquoi? Parce que le messager est parti, les défis se multiplient, la fitna arrive de partout, l'unité ne se fait pas. L'unité ne se fait pas, pourquoi? Parce que les gens sont de différents avis, comme nous sommes tous. C'est pour ça que l'unité en islam est fondamentale. On l'aime, on ne l'aime pas. Dès qu'il y a une divergence, le shaitan rentre et la fitna rentre. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dès que vous êtes deux, que un soit nominé amir. Pour créer le scénario d'harmonie, d'unification, pour que le shaitan ne rentre pas. Alors les compagnons, sur leur ijtihad, parce que leur réalité est différente de la nôtre. Les compagnons étaient des gens de l'accomplissement et c'était des gens de la vision. Et chacun, il voit. Il voit quelque chose. Et il est convaincu, parce qu'il a une expérience, que c'est ça le chemin. Alors ils se sont divisés. Et ils ont commencé à se combattre. À quel point? Où? Parmi eux, des dizaines sont morts. Parmi eux, des centaines sont morts. Parmi eux, des milliers sont morts. C'est pas une chose légère. Jusqu'à ce que les compagnons se disent, on est en train de perdre ceux qui connaissent le Coran. Et est arrivé Sayyidina Salman Farisi, qui leur a donné une leçon à ceux qui écoutaient. Ils disent, vous parlez dans vos avis différents,
Tout est une question de perspective. Vous parlez de la réalité de l'angle de laquelle vous la voyez, sous votre perspective. Mais l'autre, il voit sous une autre perspective. Et vous n'avez pas assez d'élévation pour voir que vous parlez tous de la même chose, mais sous des angles différents, et c'est pour ça que vous croisez le fer. Question de perspective. C'est pour ça, c'est Jalaluddin Rumi, il a dit cette chose éloquente pour donner une image de l'antagonisme des humains. Il a dit la vérité est un miroir qui est tombé de la main d'Allah. C'est brisé en 1000 morceaux. Chacune des créatures a pris un morceau et prétend avoir le tout. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a un fragment de miroir. Il a un fragment de vérité. Et l'analogie du miroir est importante. Parce que le miroir, il reflète quoi? Il reflète celui qui le regarde. Donc chacun a pris un petit fragment et il voit la vérité qui se reflète de lui. Alors l'état de cœur de celui qui cherche son Seigneur, il désespérément, il doit chercher à briser quoi? Les mirages de l'illusion, les mirages de l'imagination. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné pour cela deux ancrages. Sharia wa sunnah. Hakika. Tariqa. C'est le chemin du serviteur en quête. Sharia, c'est la base de réflexion de toute chose. Lorsqu'on a un scénario, quel qu'il soit, où est-ce qu'il fit dans la charia? Indépendamment de ce que l'on croit, indépendamment de ce que l'on pense, indépendamment du scénario, il doit s'asseoir quelque part dans la charia. Alors, très rapidement, la jurisprudence islamique s'est installée avec ses principes. Comment doit se faire le témoignage, qui est capable d'être un témoin valide pour n'importe quelle chose. Comment on étaye les évidences, il y a toute une jurisprudence. Et dans un rapport plus proche, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, si tu vois un homme qui marche sur l'eau, qui vole dans les airs et qui ne remplit pas les critères de charia, cours de lui comme tu cours du lion qui est affamé. Pourquoi? Parce que il va te perdre. Charia est importante. Elle a été imposée à tous les prophètes, tous les messagers. Mais Sharia, c'est donc les règles de jurisprudence et les protocoles, c'est comme un garde-fou. C'est une protection. C'est un protocole. Et pour atteindre le raffinement de ce protocole-là, et pour dépasser la strate immédiate, il faut s'élever dans un aspect de la réalité pour pouvoir voir non pas ce qui est du protocole immédiat, mais ce qui est éclairé par Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites attention à la vision du croyant. Donc celui qui a évolué dans sa foi, qui s'est élevé, son regard commence à voir avec la vision de qui? De son Seigneur.
Be aware of the vision of the believer as he sees with the light of Allah. Alors ce regard, il est important, il l'a décrit comme celui qui évolue, qui son état spirituel mûrit, il rentre dans l'espace de la foi, alors sa vision commence à être éclairée par son Seigneur. C'est ce que le Hadith Qudsi rappelle. Quand mon serviteur s'approche de moi avec des actes surérogatoires et que je l'aime particulièrement, je le fais rabbani. Et il voit, c'est avec la vision d'Allah qu'il voit. Pourquoi ces étapes sont, pourquoi ces mentions sont importantes? Parce que le serviteur doit nécessairement travailler sur son intérieur, purifier son être, évoluer dans la foi, pour que sa vision devienne de plus en plus claire, limpide et sous la gouverne de son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait de Akhir al-Zaman, il a dit c'est une confusion totale. Confusion totale. Il a dit fitna, il décrit cela comme ça. Il a dit la fitna qui va régner comme un morceau de nuée obscure. Vous êtes déjà sorti dans la nuit noire, obscure. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça ici. Où que vous soyez, c'est éclairé. La lumière des gens. Hein, la lumière de la ville, la lumière de la cité. Où que vous soyez, c'est éclairé. Une fois, je me suis retrouvé comme le chasseur là, en forêt. Marcher en forêt par une nuit noire, tu fais comme ça, tu regardes ta main, tu la vois pas. Ça, c'est obscur. Et c'est comme ça qu'il a décrit la confusion dans notre temps. Comme un morceau de nuit obscure. Et elle n'épargnera personne. Et elle va tellement changer les choses que le mensonge est appelé vérité, la vérité mensonge. Donc les référents sont complètement mélangé. Aujourd'hui, on se pose la question, comment ça se fait que les musulmans sont si divisés, se combattent autant, et qu'il y en a qui font des actes qui sont si étranges, et ils le font au nom de l'islam. La corruption des référents, le changement de la vérité en mensonge, le mensonge en vérité. Et cette période si trouble, et va être accentué par quoi? Par deux niveaux de connaissances qui vont disparaître. Ulema? Non, les ulema vont disparaître et les arif billah vont disparaître. Ceux qui ont la connaissance immédiate, les ulema, donc ils sont à mesure d'interpréter, de faire l'exégèse, de faire remplir au texte sa place véritable, ulema. Il a dit, le ilm va être levé, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons étaient perplexes. Est-ce que Allah, il va reprendre le Coran? Il a dit non. Les ulema, ils vont mourir et personne ne les remplace. Même si aujourd'hui, nous produisons beaucoup de ulema. Il y a des pays, il y a des universités, il y a des institutions islamiques qui en produisent à profusion. Et un alim véritable, qui n'est pas un salarié diplômé de 3 années de baccalauréat ou magistère et maîtrise comme ils nous ont formaté à leur saveur maintenant, ces ulémas ont disparu, les ulémas véritables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Arif Billah est celui qui connaît, qui a une connaissance qui n'est pas horizontale, il a une connaissance, il est le connaissant, il est invité à connaître Allah. Il a une connexion
qui n'est pas dans l'horizontalité, mais qui est dans la verticalité, comme l'ont été les prophètes, comme l'ont été les messagers, comme le sont, comme l'ont été les sahaba, nombre d'entre eux, comme le sont les awliya et les gens de la réalité qui ont cette connexion de l'accomplissement. Alors la disparition de ces deux rend le scénario complètement obscur pour tout le monde. Et comment Allah Azzawajal va faire culminer pour les serviteurs la fin du scénario dans l'apparition du maître de l'illusion, dans l'apparition du maître de la tromperie, dans l'apparition d'un serviteur de l'obscurité dont la fonction est laquelle? Tous ceux et celles qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas bien orientés, qui ne sont pas dédiés pour leur Seigneur, vont être emportés par la tromperie. Et la tromperie est magistrale. Salam Salam, il décrit, il va apparaître avec le feu dans une main et la glace dans l'autre main. Il va proposer, que veux-tu boire? Monsieur, on te propose le feu à boire, qui va boire du feu parmi nous? Pourtant, c'était la chose à boire. Le maître de l'illusion, le Dajjal, Saïd Oubillah, c'est ce qu'il va faire. Par la suite, il va arriver. Il va parler aux gens d'un niveau de connaissance sur leur être. Il va être capable de décrire ce qui est derrière le mur. Et qu'est-ce que... Les gens vont commencer à être impressionnés. C'est une illusion d'apparence. Un illusionniste. Un illusionniste comme le métaverse, comme il dit. Qui sont en train de nous préparer à l'ère du Dajjal. Et qu'est-ce qu'il va faire? Littéralement, il va prendre une créature, il va l'égorger, la trancher en deux, devant tout le monde. Après, il va dire, lève-toi. Ah, bismillahirrahmanirrahim, c'est un mécréant. Il va dire, lève-toi, la créature va se remettre en place et redevenir vivante. Oh. Là, tous ceux qui avaient un léger doute, c'est fini. Ça, c'est le messie des messies. Et il va mettre dans son sac, sous son manteau, tous ceux et celles qui sont impressionnables par un minimum d'illusion. Alors le serviteur, il doit se préparer à ce temps-là pour pouvoir discerner le vrai du faux, pour pouvoir habiller son cœur de hakika, pour qu'il puisse avoir la vision juste. Et cela commence par quoi? Cela commence par un travail profond de sincérité. Cela commence par un travail profond d'humilité. Sommes-nous véritablement sincères sur notre quête? Non. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons le visage d'Allah? Non. Celui qui veut le visage d'Allah, ça se déploie dans tous ses faits et gestes, dans tout son être, dans tout ce qu'il fait. Sommes-nous sincères? Non. Alors, celui qui manque de sincérité, qu'est-ce qu'il doit dire? Oh, mon Seigneur, guide-moi vers ta présence. Détourne-moi de toute autre chose que toi. Et cela, comme on nous l'enseigne, n'est pas une parole de la langue. Ce doit être un désir ardent du cœur qui se manifeste dans nos choix, dans nos actions,
dans nos gestes. Ô mon Seigneur, détourne-toi, détourne-moi de tout et accorde-moi ton regard. Et la semaine d'après, il est aux Bahamas en train de se prélasser dans les bonnes choses. Il y a une inadéquation entre son désir verbal et l'action de son être. Et nous sommes majoritairement comme cela. Nos intentions sont parfois nobles. Mais comme dit l'adage occidental, le chemin de l'enfer est pavé de très bonnes intentions. Ça prend plus que des bonnes intentions. Ça prend véritablement au-delà de l'intention, hein, il faut la validation de l'intention. La validation de l'intention est laquelle? J'ai l'intention de me lever pour le Fajr. Beaucoup ont mis cette intention. Elle est où la validation? Ah, le réveil n'a pas réussi à me réveiller. Est-ce que tu as mis le réveil d'abord? Bon. Voilà. Et si tu n'as pas réussi à te lever, c'est que tu es dans une phase de ton temps où tu es fatigué. Qu'as-tu fait pour te coucher plus tôt? Ah, YouTube. Netflix. Si tu veux être avec ton Seigneur et que tu finis la soirée avec 3 heures de Netflix ou plus, ton intention, désolé pour ceux qui, Netflix, YouTube ou tout le reste, ou même Radio-Canada, alors, ou M6, c'est notre univers, c'est pas une critique, mais chacun sait ce qu'il regarde, ce qu'il fait. C'est juste pour dire, la validation de la sincérité est difficile. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il va dire pour les serviteurs qui vont venir? Ya Rabbi, j'ai jeûné pour toi. Kadhab, tu es un menteur. Ya Rabbi, j'ai prié pour toi. Kadhab, emportez-le. Tu n'étais pas sincère dans ce que tu as fait. Ce n'est pas pour ton Seigneur que tu l'as fait. La validation de notre sincérité sur les choses va être mesurée un jour. Mais la validation de cette sincérité, elle donne un fruit toujours dans le présent. Alors souvent, qu'est-ce que les gens disent? Tariqa, il y a beaucoup de disciplines, on doit faire les awrad, on doit faire le dhikr, on doit faire ça. Est-ce que c'est ça qui fait avancer? Les gens qui ont fait des litanies, les gens qui ont fait des récitations, les gens qui ont mémorisé le Coran, il y en a beaucoup. Très souvent, Allah Azza wa Jal nous rappelle que ce n'est pas ça l'essentiel. Les awliya, nombre d'entre eux ont été complètement illettrés. Nombre d'entre eux ne parlaient même pas l'arabe. Et leur calibre spirituel, littéralement, pouvait faire rentrer des villages, des villes, ou la moitié d'un continent en islam. Combien de awliya ont fait rentrer en islam des contrées entières par la lumière qui émanait d'eux et le jazb, cette attraction spirituelle qu'ils avaient. Alors, nous savons que l'évolution spirituelle, l'avancement spirituel, ne va pas être parce qu'on va faire plus de si, plus de prières, plus de jeûnes, plus de dhikr, plus de qiyam. Beaucoup le font et n'arrivent pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Le fait de faire, c'est la validation de nos intentions. Ya Abdi, tu veux véritablement venir? À quel point tu es sincère? Fais-tu l'effort pour? Quand quelqu'un t'a tendu la main, qu'est-ce que tu as donné? Quand quelqu'un t'a tapé à ta porte, comment tu l'as reçu? Allah Azza wa Jal se décrit. Je suis le malade. Quand tu le visites, c'est à moi que tu as rendu visite. Je suis le nécessiteux. Quand il te tend la main, c'est moi qui te demande. Je suis l'opprimé. Quand tu allèges son oppression et que tu prends sa défense, c'est à moi que tu as tendu la main. Allah Azza wa Jal
nous rappelle qu'il est, il se manifeste dans toutes sortes de circonstances et de scénarios en observant ses serviteurs et en regardant, es-tu véritablement sincère? Si tu es sincère pour ton Seigneur, comment ton action est similaire à tes intentions? Alors l'action est importante pour valider nos intentions. Et l'intention est un trésor particulier. Maulana Sheikh Nazim, il disait, un jour quelqu'un lui a demandé, « Oh cher, donne-nous un conseil d'une bonne valeur. » Il a dit, « Ayez de bonnes intentions. » Et revisitez vos intentions. Questionnez-vous sur le fondement de vos intentions. Êtes-vous véritablement sincère dans vos intentions? Et revisitez vos intentions. Si vous avez de mauvaises intentions, changez-les. Parce qu'on en a tous. On n'est pas des anges. Nous sommes ambivalents entre le bien et le mal. Parfois, on a l'intention de faire certaines choses qui sont... limite. Revisitez vos intentions et changez vos mauvaises intentions pour de bonnes intentions. Changez vos intentions bonnes pour des intentions encore plus grandes. Mais validez vos intentions en mettant un accent sur la sincérité et questionnez-vous sur votre sincérité. Personne ne viendra vous questionner sur votre sincérité, excepté vous-même. Nous sommes les observants, nous sommes les témoins de nos intentions profondes. Qu'Allah Azza wa Jal nous illumine de cette guidance, nous accorde l'intention noble et pure. Illumine nos êtres sur le bien. Ya Rabbi, accorde-nous le discernement. Protège-nous de l'illusion. Dans le temps où nous allons vers le goulot d'étranglement du Dajjal, accorde-nous la protection et la sauvegarde divine. Ya Rabbi, que nous ne soyons jamais attirés par l'illusion. Que nous ne soyons jamais attirés par la fausseté. Que nous ne soyons toujours attirés que ce qui est pour Allah, par l'honneur et la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le sanctuaire de ce mois béni, Zulqa'idah, ya Rabbi, ila hadratina bil Fatiha.